Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous partager des fonds de cartes que j'ai faites avec la peinture 3D. Je trouve qu'on peut avoir des effets assez intéressants, qu'après, facilement, on peut convertir en belles cartes. Alors, pour ça, j'ai utilisé ces peintures 3D qu'on trouve un peu partout. J'ai des peintures à acheter à Action, j'ai aussi des peintures à acheter à Jiffy, sur les rayons, dans les rayons enfants, je pense qu'on trouve ça facilement. J'ai fait aussi des petites, j'utilise ces peintures-là pour faire aussi des petites enamel dots à ma façon. Je vous montrerai si vous voulez un jour sur une vidéo, c'est pas compliqué, mais bon, si vous voulez voir ça plus en détail. Là, je voulais vous montrer un peu le papier que j'utilise pour ces fonds de cartes. J'ai trouvé des gros paquets de divisions comme ça à Noz. Il y a quelques temps, pour pas cher du tout, je ne sais pas, c'était 1 euro, il y avait peut-être 250 feuilles, un truc comme ça. Alors j'ai pris ça parce que c'est du papier, c'est pas un papier très très fin. Je ne pourrais pas dire le grammage, c'est pas indiqué, mais c'est pas du carton non plus, mais c'est un papier parfait pour faire des fonds de cartes. Alors je voulais simplement vous montrer comment, bah, des fois il faut essayer de penser comment on peut utiliser les choses qu'on voit. Des fois, on dit, bah, c'est des divisions, ça sert, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais simplement, il faut essayer d'utiliser les choses d'une façon différente. Et là, avec ça, bah, je coupe à une dimension normalement des 5, 4, 4 et demi pour 4 et un quart, pardon, fois 5 et demi. Et j'utilise ça quand j'ai fait des fonds de cartes avec des différentes techniques des peintures ou même des tamponnages aussi, ça fonctionne. J'ai les coupes bah, par plusieurs. Alors j'ai un petit stock à côté de mon bureau pour prendre toujours une petite carte et pouvoir l'utiliser. Alors pour aujourd'hui, c'est très 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 facile. On va jouer un peu. On va voir ce que ça donne. J'avais pas essayé avant cette technique que j'ai laissé avec vous sur cette vidéo. Alors, je prends différentes choses, différentes couleurs de peinture et je vais mettre un papier sur l'autre et voir pour écraser un peu la peinture et voir ce que ça donne et si ça peut faire quelque chose de joli après. Les peintures de chez Action, elles sont très belles aussi parce qu'elles sont une finition un peu métallisée et je trouve ça très très beau quand ça sèche. Ça donne un petit côté brillant, très joli. Là, j'essaye différentes choses. J'essaye avec une règle. Après, j'ai décidé de mettre un papier entre les deux pour couvrir mes feuilles. Là, vous voyez ce que ça donne. Les couleurs, elles sont très belles. Là, je vois que j'ai pas mis assez de peinture, mais bon, après, j'ai pensé qu'on pouvait laisser comme ça parce que je voulais mettre avec quelque chose de blanc, mais après j'ai décidé de venir et remettre un peu de peinture et recoller les deux faces, si on peut dire comme ça, et ça fonctionne aussi. Sinon aussi, vous pouvez prendre un crayon de couleur et compléter les petites surfaces qui sont pas couvertes par la peinture. Là, je fais avec des petits points. Celle-là, j'ai beaucoup aimé le résultat et finalement, c'est trop facile. Vous allez voir, vous allez calculer la peinture parce que j'aime pas, comment on dit, utiliser plus de peinture que nécessaire. Alors là, c'était mes premiers essais et finalement, j'étais contente. Il y avait des petites surfaces qui n'étaient pas couvertes. Alors, je suis revenue après un petit peu pour les recouvrir. Là, j'ai mis un petit papier pour que la peinture éventuellement reste collée sur mon papier. J'aime beaucoup celle-là. J'aime bien les couleurs et l'effet que ça donne, des petits points. Vous allez voir, des fois, quand on fait des choses comme ça, on pense que c'est pas terrible. Mais quand ça devient une carte, je trouve que c'est un effet complètement différent et c'est beau. Alors il faut pas se dire que c'est pas réussi quand on a que le fond comme ça. Sinon il faut essayer de faire la carte avec et c'est juste après que vous direz
si ça vous plaît ou pas. Parce que des fois, l'éléphant tout seul, il dit rien. Là, j'ai essayé un petit arc-en-ciel. Alors, j'ai mis un peu de toutes les peintures que j'avais. Et à chaque fois, c'est une surprise avec, avec ces petits. C'est comme ça. Des fois, c'est réussi, des fois, c'est pas trop. Celle-là, finalement, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Je pense que les couleurs, elles sont trop, trop fortes. Mais c'est très intéressant. La texture, vous allez voir si vous essayez. La texture que laissent ces peintures-là, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ces côtés gros de la peinture, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est assez joli pour des fonds de cartes. Là, je fais un autre essai, le dernier, en cercle. Et vous allez voir après comment faire ça, comment convertir ces fonds-là dans des cartes. On se sent un peu des enfants, retournés en enfance quand on fait ces cartes-là. Avec ces techniques-là, vous pouvez faire, vous avez deux fonds de cartes à la fois. Alors, vous pouvez faire deux cartes, pardon, avec chaque modèle. Il faut laisser sécher. Moi, j'ai laissé sécher au moins 4 heures. Ça, c'est important. Avant de faire la carte, si vous pouvez faire encore laisser sécher d'un jour à l'autre, je trouve que c'est mieux. Là, j'essayais de faire quelque chose, mais bon, à la fin, ça se voit pas du tout. Le modèle comme ça, je pensais que ça resterait un peu plus, mais bon, il n'y a pas assez de peinture pour que mes traits restent. Et là, je fais une bêtise, j'ai mis ma boîte dessus sans penser que la peinture, après, elle allait rester sous la boîte. Alors, ne faites pas ça. Là, je prends encore ma feuille. Et ça, c'est mieux. J'aime beaucoup ce modèle aussi. J'ai complété un peu avec, après les couleurs, vous allez voir, je remets un peu de couleur, on peut recoller. Sauf que moi, j'ai attendu un peu. Si vous voulez faire, remettre de la peinture, il faut. Vaut mieux le faire tout de suite parce qu'après le papier il peut se s'abîmer un peu. Vous allez voir là, j'aurais aimé, c'est pour vous montrer que on peut tout faire, on peut revenir après et remettre un peu de couleur pour compléter. Ou dès la première fois, si vous êtes vous mettez un peu plus de peinture. Désolée ma tête là-bas. Et là, j'essaye de remplir les petites surfaces manquantes et je vous montrerai comment après ça se complète mieux. Et de toute façon, après, je suis venue avec un crayon de couleur, j'essaye de trouver, ou un feutre à peu près de la même couleur. Et comme c'est des petites surfaces, ça se verra pas. De toute façon, ces fonds de cartes, ils vont être coupés un tout petit peu sur les bords parce que c'est un peu plus grand que la carte. Je vais venir couper un petit peu après. Voyez, là, j'ai couvert presque tout. C'est sûr que si on le fait, si on arrive à le couvrir de la première fois, c'est beaucoup mieux. Mais bon, c'est une façon de compléter ça. Là, je vais venir avec l'autre, mais j'ai coupé cette partie-là. Là, simplement, encore, j'ai utilisé le vellum de chez Action. J'utilise pas mal, j'aime beaucoup les messages. Et je trouve que c'est une façon belle parce que comme il y a normalement du doré ou comme ça, il n'y a pas trop, il n'y a pas beaucoup d'autres à faire après. Là, j'ai découpé un petit die que j'avais acheté chez AliExpress. Je vous laisserai les références comme d'habitude sur le blog. Là aussi, c'est un petit die de chez Action. Et de chez Action, pardon, de chez AliExpress. Et là, je vous montre les cartes finies. Celle-là, finalement, j'ai moins aimé, mais bon, il faut faire des essais. Ces deux-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai décoré avec des petites stickers de chez Action et avec les perles de pluie.
celle-là aussi, mais c'est trop facile. Les messages ont été montés sur du foam, la feuille, pardon, la feuille mousse que j'utilise beaucoup. Et celle-là, c'est ma préférée. J'ai beaucoup aimé cette carte. Je trouve qu'elle est trop belle. Lundi, je vous attends avec une carte très spéciale. C'est la première collaboration de cette chaîne avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous connaissez sans doute. Et vous allez voir, c'est une carte magnifique. J'espère que vous serez là. C'est quelque chose d'important pour moi. Gros bisous, merci beaucoup. Abonnez-vous et regardez les autres vidéos. Et à très bientôt. Je vous espère lundi. À la prochaine. Ciao, ciao!